Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment fusionner des fichiers GPX ou KML avec des éditeurs de texte ou de fichiers XML. Dans la première vidéo, vous avez vu la fusion avec GPX Editor. Donc, je vous ai montré les trois fichiers que j'allais fusionner. Donc, ici, je démarre directement. Pour les fichiers GPX, j'utilise un éditeur de texte. Je dis bien éditeur de texte et pas traiteur de texte. Donc, dans mon cas, Notepad++. J'ouvre mon premier fichier. J'ouvre le deuxième et j'ouvre le troisième. Voilà, j'ai mon premier, le deuxième, le troisième. Dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué les balises. Donc, dans ce cas-ci, track section, track point. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener tous les track points du GPX 1, 2 et 3 dans le 1, et puis je vais le sauver sous un autre nom. Donc, je me rends à la fin du premier. Je prends le deuxième, je prends tout ce qu'il y a entre track section, donc c'est-à-dire les bas, voilà, track point, édition, copie, je retourne dans le 1, je colle, paste, voilà, je refais une ligne pour aller coller le 3. Le 3, je prends également tout ce qu'il y a entre track section et track section, donc tous les track points. Édition, copie, je retourne dans le 1, je fais coller. Voilà, là le fichier est un peu plus long que tantôt. Fichier enregistré sous total underscore notepad. Voilà, je sauve mon fichier. Si je retourne ici et que j'ouvre ça avec Google, voilà. Mon fichier est d'une seule pièce également. Ok, maintenant pour les fichiers KML, c'est un peu différent. Je vais utiliser un autre programme qui s'appelle XML Notepad. Voilà, j'ouvre mon premier fichier KML avec XML Notepad. Voilà mon premier fichier Notepad. Je vais également ouvrir le 3, le 2, pardon, Open with XML Notepad. Voilà mon le 2. Et j'ouvre le troisième également avec XML Notepad. Voilà le 1, le 2, le 3. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller dans l'élément line string où il y a toutes les coordonnées. Voilà, là j'ai toutes les coordonnées. Voilà. Et je vais rajouter celle du 2 à la queue et à la suite de celui-ci, celle du 3. Donc, j'essaie de trouver ça c'est le 3, le 2, voilà. Je retourne dans line string. Les coordonnées, pardon. Voilà. Je clique droit et je copie. Je retourne dans le premier. Et je fais coller. J'enlève un peu ici, voilà. Le 2, j'en ai plus besoin. Je vais dans le 3. J'ouvre également les coordonnées. Voilà. Je clique droit, copie. Je retourne dans le premier. Je vais à la fin. Je fais un coller, un paste. Voilà, toutes mes coordonnées sont à la queue leu-leu. Je fais fichier save as. Prenons le bon répertoire. Copy as text. Voilà, je l'appelle total underscore XML notepad. Et je point KML. Point KML. Je sauve. Voilà mon fichier KML fusionné. Je retourne, je vous montre ce fichier et voilà, il apparaît d'une seule traite. Voilà, une méthode différente où l'on comprend peut-être mieux ce qu'on fait, peut-être moins facile avec des longs trajets. Ici, ce sont des petits itinéraires. Voilà,
l'explication pour éditer avec Notepad++ ou XML Notepad.